voilà, il n'y a pas de raison, le bot il bouffe, le bot il a rien à foutre ici. Coucou monsieur Lolo, coucou tout le monde. Voilà, je sais que j'avais dit que je faisais du Pokémon, mais j'ai la flemme. J'ai la giga flemme. Je préfère faire du Palia, c'est tellement mieux. Du coup, les go, attention, 3, 2, 1, go. C'est bon. Oh, je suis bien mise. On voit pas mon magnifique t-shirt, je suis presque déçue, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Salut. Ça y est, Lolo qui joue avec les SFX, c'est fini, on est foutu. Hop, je mets le son. Oups, on enlève Discord. On remet Palia. Oh, toi t'as pas l'air de... Soit c'est la co qui merde, soit c'est le fait que le frangin sont en train de jouer à la VR. Et du coup ça fait tout la gay. Et si c'est juste le fait qu'ils soient pas branchés, c'est pas gênant, mais tu peux quand même... Ah merde. C'est pas le moment de charger, j'aimerais remettre mon chat correctement, je ne vois plus le chat. C'est ça qui est chiant quand tu n'as qu'un écran. Oh, j'ai pas eu le son de Metal Snappy. Bah attends, je te le remets. C'est bon. Du coup, nous disons donc... Oui, on sait, le support pour manette en cours. Oui, on va brancher le PC à bord. Il va chauffer un petit peu, c'est pas sa faute, c'est pas grave. Voilà. Ah, tout de suite, c'est... Ouais, tout de suite, ça va. Du coup, quoi avons-nous à faire? Les quêtes. Alors, donc oui, parler pour ça, mais ça, ça attendra. Le demi-bouilli, des papillons bleus. Terminer la maison et de la viande de cerf. Ah oui, on devait chasser des cerfs, c'est vrai. J'étais venue là pour avoir des coquillages, mais non, c'est pas là qu'il faut. C'est pas grave. Allons taper des cerfs. On va d'abord aller trouver les cerfs. T'as vu qu'on est à un endroit où il y a... Enfin, c'est la ville. Bien sûr qu'il y a beaucoup de cerfs. Ah. J'ai failli me péter la gueule dans l'eau et mon perso ne s'est pas nagé. Hein. S'il vous plaît. Quoi? En fait, non, c'est des selles. J'ai rien. J'ai rien. Regarde ça, Lolo. Regarde-moi ça. Pile dans le cul. Par contre, il se peut que je sois une fiche à... Ouais. Y'a personne, c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Yes! Voilà! Bon, je veux bien, mais. Putain, cette carte. Ouah, je suis en mode 160. Ah, merde!
Au moins, tu as la 160p. Ça, Vena, Kenyatta, éclat, putain. Malheureusement, ça, je n'en suis pas responsable. Oh le beau! Du coup, tu m'as pas vu tirer dans le cul du cerf. Je suis la tristesse. J'ai réussi à trouver les bestioles, à les approcher, à les fumer. Je me démerde de mieux en mieux. Ah, j'ai des bombes. Mais il est passé où par contre? Trop de petits bouts dans la flotte. Non, moi j'ai pas de perte d'image. Connard! Sans la diapo, chez mamie, je crois tous mes voisins d'elle du port en même temps, mais non! Quel enfer. Non, puis moi pour le moment, ça va, je veux pas perdre d'image. Mais Jean, je lui mettais dans la nuque. Arrêtez! S'il vous plaît, respectez-moi! Il me manque un pour passer level 2, c'est pas au pute. Mais c'est pas possible! C'est pas moi qui tire mal, hein, c'est le jeu qui dégage le bébé. Mais bordel de... Quand même! Attends, je vais regarder si c'est moi, non? Pas d'image perdue. Quelle était votre stream bonne? Non, mais c'était voisin Lolo, parce que moi pour le moment ça va. J'ai pas de soucis. Ah! Qu'est-ce que tu me fais encore? Ah putain de truc de merde. J'ai un qui pète des câbles. Sans bon, j'ai des voisins qui... Non, mais malheureusement ça ne vient pas de moi pour une fois. Ça va quand même être la misère si personne peut regarder mon live. Vraiment, je pense à refaire des trucs de fumée pour les insectes. Mais te barre pas! Reviens, bébou! Je sais même pas si c'est à lui que je dois parler en plus, c'est ça le truc.
Reviens, j'ai dit. Où t'as un loup, toi? What do you need now? Tu es là? Bien. Si tu souhaites vraiment suivre la voie du chasseur, il te faudra un équipement plus adapté. Je suis prêt à te vendre des recettes pour fabriquer des équipements comme le mien, mais n'oublie pas qu'un outil n'a aucune utilité si ton propriétaire ne sait pas s'en servir. Bah, te faire foutre? T'as besoin de quelque chose? Bah, oui. Bah, j'ai pas de sous, du coup. J'ai pas de sous. That's enough. Par contre, Najuma. Fille du mineur. Ces gens, bordel, qui sont là pour qui? Pars-toi. Navré, Lolo. Je suis dégoûtée. Alors, elle est là, la bibou. Ah, au secours. Bibou, j'ai ta viande. Bonjour. Ah ben, faut que j'aille pour deux trucs. J'ai ta viande. Super, c'est exactement ce que je voulais. Merci. Tu sais, Shane me dit que le dragon peut exaucer tes vœux, mais c'est grâce à toi tout ça. Alors. J'ai coupé, relancé mon navigateur en tuant 2-3 quadrilles comme Steam qui tournait en fond, ça a l'air d'aller un peu mieux. Bah nickel. Nickel. Du coup, j'ai tué des cerfs et la madame elle est contente. Enfin bref, je dois aller faire à manger, merci à toi. Au fait, tu pourrais me faire un planeur? Oh, avec plaisir. J'ai corrigé la technologie de mon planeur il n'y a pas si longtemps et j'ai besoin de coop. J'ai besoin de volontaires pour m'aider à vérifier l'aérodynamique, tout ça. Je le ferai bien même, mais mon père ne me lâche pas les basques en ce moment. Il ne me laisse pas rentrer dans les mines. Il ne me laisse pas sauter des falaises. Oh. Si ça t'intéresse, je peux t'en faire un. T'as fumé des caribous? Vive, parce qu'il fallait que je donne de la viande à cette poupette, justement. Ça te dirait, je peux t'en faire un pour toi. Il suffit de m'apporter les matériaux dont j'ai besoin. D'accord, mais il faut quoi comme matériaux? 3 planches d'aubier, 2 tissus, 5 de cuir. Putain. Yay. Oui. Et du coup, j'ai relaqué. Bah, j'ai la quête. Faut que je retourne voir Shane. Et peut-être que d'ici là, notre maison sera finie. Du coup, là, il faut que je retourne voir le gentil prêtre, qui est adorable. Voilà, oui, du coup, j'ai fumé des caribous pour la madame, j'en ai même tiré un dans les fesses. Mais je pense que la hitbox n'est pas encore faite bien, parce que du coup, je ne l'ai pas tué. Mais c'est pas grave. Et le petit... Les petits dinos. Du coup... Ah, il est en train de dormir. C'est pas grave. Ce n'est qu'un problème de... Ce n'est qu'un détail. Ça fait pas un jour, on donne ça un jour. Est-ce que je peux le réveiller? Faut que je trouve comment faire du cuir aussi, parce que la madame elle veut du cuir, mais ça attendra un petit peu. Les caribous sont en train de péter les caribous. Ça peut être un peu.
Est-ce que ça a déjà tué qui que ce soit... Attends, si il est en combat, je sais. Est-ce que ça a déjà tué qui que ce soit de prendre une cartouche dans le derrière? Je sais pas, j'ai jamais essayé. Bon, on va passer à la maison. Poser tout le bordel. Il faut que je pense à acheter des graines aussi. Et une fois qu'on aura le planeur, il faut qu'on aille sur la statue de grenouille. 4 spectateurs, combien de bots parmi tout ça? Je me disais, le truc qui me pète des câbles, je sais pas. Par contre, qui me ping? C'est Légion. Ah, il a fini son mur. Alors. Faut que je tape. J'ai plus de 2 minutes de décalage entre le moment où j'envoie un message et le moment où tu le reçois. Ma couille est vraiment en PLS. Ah oui, effectivement. Alors, je le disais donc. Franchement, des causes. C'est quoi ça? J'ai un genre. On garde. Quand ça sert à quelque chose? C'est disait par la décoration. Ok, alors, ça on garde. Ça, non. Ça, non. Ça, là-bas. Yes. Oui, et les champignons, ça dégage. Du coup, je suppose que tout ça a fini, enfin. Putain, c'est pas trop tôt. Hop. Les plantes aussi. En même temps, je suis à 35% sur tes os, ça aide pas non plus. Oui, c'est clair. Allez. Regarde-moi ça. 8 heures. Bah, très bien. Bah on va faire autre chose en attendant, hein, n'est-ce pas? Putain. Alors, bon, la maison, ça prend. Qu'il me faut en des planches, du tissu et du cuir. C'est bien. Comment je fais tout ça? Cigris, j'ai déjà fait. Ah oui, il fallait que je fasse de ça. Genre 8 vraies heures? Oui. Oui, 8 vraies heures. Regarde. Ça veut dire que concrètement, vous ne verrez pas la maison soit avant demain si j'y rejoue, soit avant bah, la prochaine fois que ma mère ne sera pas à la maison. Du cuir, c'est du verre. Pierre, non. Du à 5 de cuir, putain. Waouh, c'est délai de malade, mais oui, tellement. Il faut que j'aille taper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va.
On va aller taper des arbres, on va faire les planches comme elle le veut. Et je pense qu'on va essayer de faire un peu de jardinage et d'aller essayer d'acheter des recettes. Voilà déjà 9 planches. Ça, ça chute, ça aussi, ça aussi. Voilà. Sauf qu'il est 1h du matin. J'ai pas un lit ou un passer la nuit là. Non, c'est pas moyen. On va aller voir où je peux trouver ces putains de coquillages. Et je vais tricher. Il y a des grandes chances. Sinon, c'est une tête à la con. C'est ça, c'est qu'il va falloir que. Ouais. Il va falloir que j'aille ramasser des trucs. Ou miner, ou peu importe. Parce qu'il va me falloir de l'argent pour acheter des graines. Ça aussi. Ça va faire du bruit, vous êtes prévenus. Parce que mon PC recommence à chauffer. Je pense que voilà, le stream et tout, il aime pas. Allez, ouvre-moi le Dragon Center. Fais pas ta pute. Alors, ça va faire du bruit parce que je vais mettre le ventilateur en couleur boost. Du bruit à peu près. Voilà. C'est-à-dire que vous allez entendre une soufflerie, mais c'est pas non plus. Donc. Il a jamais eu son son. Pas envie de chercher 10 ans. Trois endroits à pas lire. Ok. Ok, donc il faut que j'aille dans l'autre bout. D'accord, je retiens. Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas du bruit, c'est de la musique. Mais non, mais je parle de mon PC. Comme je l'ai mis en couleur boost pour éviter qu'il chauffe trop. Ok. Ok, pour ça. D'accord, donc c'est au même endroit, donc faut que j'aille là. Très bien. Ah, ton PC, c'est pas du bruit, c'est de la survie. Donc il faut qu'on retourne. Allez. Il faut qu'on retourne au lagon. Il est 3h du matin, début. Il est déjà debout ? Il est 3h du matin, Pépi! Qu'est-ce que tu fous?
Life is all about balance. Mais bon, cela me ravit et j'espère que toi aussi, tu vois la sagesse véritable du dragon reposant sa capacité à nous montrer la meilleure manière de vivre, même s'il n'est pas auprès de nous. Je crois fermement que cette expérience a également fait de toi quelqu'un de sage. Je te remercie de nous avoir aidé, Najumai. Si tu as besoin d'aide, tout ce que tu as besoin de faire est de demander. Ben merci. Allez, cours. Là, je vais désactiver celle-là. Du coup... Voilà. Il y en a des gens chelous dans ce jeu, quand même. Normal, donc, normalement, tu dois trouver le reste de la recette. Donc, le jeu, la série, ça dit, elle doit être par là. Donc, on va chercher. Oui, c'est pas encore un robot. Coucou Réa, comment ça va? Ça va, écoute, tranquille. What? Je regarde ma cellule, c'est un peu comme ça. Comment ça? Ah, j'ai tout fermé. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est vrai. Je tiens à prendre une pêche à peu. Là, il pêche pas. Salutations. Mais j'ai retrouvé ton crayon. Serait-ce Einar? Non, c'est le mien. Alors qu'il aime ajouter ma Jerry, mais on ne sait pas de la place. Voilà, j'ai mis bien sur le menu. Je cherche de faire quelque chose vraiment avec particulièrement de l'arcot, mais ça va être compagnie. Mais je vais pas me dire ce qu'on veut faire. Farewell. Ouais, c'est justement que t'as pêché, que je vois que tu pêches, en fait. Et bah du coup, on va aller se promener parce que pour trouver les fameux coquillages, il faut qu'on remonte là-haut. Allez, pour commencer. Encore un toaster, il n'y réside plus. Mais non, mais il est gentil, il pêche. Il est adorable ce toaster. Et toi, Coréa, du coup, qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Veuillez attendre 5 secondes. Oui, parce qu'il faut que j'agresse des papillons en même temps, donc autant qu'à faire, c'est sur la route. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, on chasse les papillons comme ça ici. Ah.
Voilà. On chasse les papillons en leur jetant des fumigènes à la gueule. Parce que le but du jeu, en fait, c'est que j'attrape 4 tonnes de papillons professionnels qui me donnent une graine. Parce que le gosse, tout à l'heure, il a dit « Hey, j'ai vu des papillons avec une graine. » Le papillon, il a donné une graine. Vas-y, fais pareil. Moi, je suis là en mode « Ça marche pas comme ça. » Le gamin, il a des flics aussi. Et le gamin, il a dit « Bah, ta gueule, tu sais. » Ben voilà, je l'ai. Nous, ici, on chasse des papillons, on les caillassons. Alors non, c'est pas des cailloux, c'est des fumigènes. C'est une technique de CRS, oui. Ah, la madame est en train de chasser. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est pas vous, gros, c'est tout qui vole. Accepter ta peine? Tu as attrapé un objet de qualité étoilée. C'est ça que les poissons de qualité étoilée peuvent être placés dans leur propre terrarium et aquarium. Sélectionne l'objet dans la barre d'action et tu feras pour poisson. Des BCRS, je veux voir ça. Il y a un bout par ici. Oh, un papillon. Mais ça vaut de l'argent en plus, ces merdes. Hein. Marie-vous. Ouais. Il chauffe vite le PC, il chauffe vite. Caméra parce que pour faire un papillon tu la sens avec une pierre 3 fois plus grosse que lui, ce ne sont pas des pierres, c'est des fumigènes. Voilà, je règle ma caméra parce que du coup j'ai dû surélever le PC, comme ça il a l'air un peu plus. Regardez, c'est ça là, bon fumigène, ce sont des fumigènes, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. C'est le même effet pour un papillon, oui, mais est-ce que c'est mon problème, courir? Je crois que t'as oublié cette partie-là de l'histoire. Ah. Les papillons, ils sont dead. Ouais, mais ça se vend, écoute, hein. Si les gens aiment acheter des cadavres de papillons, qui suis-je pour les juger? Merde. Alors, je suis censée, si je me rappelle bien, aller par là. C'est la faute des papillons, ils avaient qu'à savoir parce qu'elle est dans le fumigène. Voilà, allez par ici. Allez, on va aller. Vous allez voir d'ailleurs si je trouve des papillons. J'ai jamais exploré encore ce coin là, c'est quasi les premières fois que je vais. Ah, j'ai une lettre. Qui m'a envoyé des lettres? C'est quoi ces merdes? Ça va mourir ça! Oh putain! Et regardez-moi la taille du putain de loup! Regardez-moi ça! Et tu vas me faire croire que ce machin. Putain, mais le machin il est passé à travers le décor! C'est vénère! Bah je l'ai perdu mais... Ça reste. Vous avez vu ce machin? Merde, je suis foiré dans mon immeuble, c'est de grave.
pas souvent. C'est genre pour un autre, j'essaye de la battre. C'est le truc, on aurait dit un Pokémon, mais genre un Pokémon énervé, tu vois. Ah voilà, le phare. C'est vraiment beau, franchement. Il n'y a pas à chier, hein. Il y a des triple A qui devraient s'inspirer, sérieusement. Il y a un rapport, mais vous aimez le son? Oui, je vous aimais le son. J'ai peur de ne pas vous avoir mis le son. La coquillage. Il nous en faut que 5. Normalement, ça devrait aller assez vite, mais on sait jamais. Attends. J'ai une question. C'est une débile, mais. Voyez-vous ce crabe? C'est considéré comme un insecte, je peux agresser des crabes. Par contre, il faut que je fasse attention à aller dans des coins d'eau ou de pied, parce que sinon je peux mourir. Pour en faire, capturons des crabes en même temps. Bonjour! Nani? Le crabe est un insecte, bah le jeu il l'a dit. J'ai dit. Ah, parce que tu sais pas nager? Non! Mon perso sait pas nager! Tête de dieu, cet escargot là-haut! Accepte le destin! Bon, laissez s'en aller. Mais oui, escargot surpuissant, tu me respectes pas. Du coup, je l'ai perdu dans le décor. Du courant, mais c'est absolument pas ce que je veux. Mais c'est pas grave, c'est bon. Ton personnage s'est pas nagé et visiblement il s'est fait distancer de 100 mètres par un escargot. Alors c'est parce que j'ai bien voulu le laisser fuir, parce que visiblement. Enfin, j'ai supposé que. Du coup, je pouvais pas le capturer si. C'est pas une des zones qui... Je vais re-regarder mon truc. Si, justement, c'est un des emplacements. Ah non, c'est autour du phare, donc non, je suis pas du tout au bon endroit. Ah. Non. Je regarde, on sait jamais des fois qu'il dit. Mais putain! Il se permet un petit peu. Cordialement.
Ah, c'est des plantes. Putain, je me demandais ce que c'était. C'est là, non, faut pas que j'y aille. C'est pas assez, c'est assez trop profond. Après, le truc, c'est que voilà, le problème qui va se défait par un escargot d'elle, il me casse les couilles. C'est sur vous de merde là. Et normalement dans ce coin là il est censé en avoir aussi, sauf que le truc c'est si tout le monde a eu la même idée que moi et d'aller les chercher au même endroit. C'est vraiment censé les récupérer. Donc là, blanc sous-marin. Ok, donc c'est un truc qui brille dans l'eau, très bien. Et évidemment, si on est plusieurs à faire la même quête, ça va être assez chiant. Je sens qu'apparemment, ça se revend aussi, ça se revend très bien. Voilà, donc je sens qu'on va passer un certain temps à faire cette quête. Hein. Les escargots, c'est sans doute mes bombes là qui sont pas assez. Pas assez puissantes. Je pensais que c'était le temps de fuir, mais du coup. Du coup, non. Pas souligner tout ça, on va laisser les escargots tranquilles. Oh, ils donnent des fleurs. Alors soit c'est moi qui les vois pas, soit il n'y en a pas du tout. Ça fait tout le temps que je vois pas comment. Apparemment c'est plus facile à repérer la vie. Vu que comme on joue tous sur le même serveur, il n'y a pas forcément moyen de passer la nuit. Ben, ça va durer peut-être un peu longtemps.
ça va naître. Oh, vive ton baiser. Merde, il est passé une fois. Ah, est-ce que ce serait ça? Coquillage. Huître, quand même. D'accord, oui, je vois ce qu'il veut dire par... Je suis content, toi. Donc oui, il n'y en avait effectivement pas là où j'étais. D'accord, là, Bibou. Reviens là, Krabicoc. Comment ça, c'est pas un Pokémon? J'ai dit reviens. Voilà. Voilà, c'est... Ça peut toujours être utile. Ah là. Allez, va me piquer. Mais bordel. Ah non. Non, non. Yes. Regardez, on a encore du piquage. Toutes ces heures de chasse au crâne ne servaient même pas. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de coquillages, hein. C'est un peu la nouvelle. Évidemment, voilà, il me manque plus qu'un. On va retourner dans la petite zone là, là. En plus des crabes, évidemment. Et qui c'est qui a gagné contre l'escargot cette fois? Qui c'est qui a gagné contre l'escargot? Il se branle là, toi. Voilà, j'ai gagné. J'ai gagné contre l'escargot. Putain, elle est crabouille, quoi. Yes. J'ai remarqué d'une pierre blanche, oui. Tu t'es fait pas la vie. Est-ce que j'ai des sous pour m'occuper par contre? C'est ça la question. Oui, j'ai assez de sous. Du coup, moi je veux sécurité centrale du tunnel. C'est comme ça, on va pouvoir aller vendre tous nos crabes et retrouver notre espèce de teuteux là en mode tiens, j'ai tes coquillages, casse-moi pas les couilles.
Pardon. Alors. 112. Ouais, on va aller voir. Ah oui, mais c'est l'autre. Pour les papillons, je crois bien. Je crois. Je retiens pas tous les PNJ. Oui, c'est même des minutes, peut-être. How's it going? Bah justement, j'essaie d'avoir celui de Businessman. Mon badge pour vendre des trucs. On dit businessman. Je crois pas, non. T'as vu cette petite fois. Bref, les insectes au scout m'envoient tout plein de trucs chouettes à vendre. Si on continue à leur montrer les insectes qu'on attrape, je peux en recevoir encore plus. Donc ça tente que je peux vendre des trucs. Je peux vendre mes crabes? Putain, 272 les crabes, trop bien. Tiens. Fumigène furtif. Wow, was that a dragonfly? Ok, maintenant le gosse il vend des trucs. Putain, trop de PNJ qui vendent des trucs. Suffisamment concentré. Du coup, maintenant, on va voir l'autre début de ce qu'il voulait des coquillages. Bonjour. Yes. Oh, bonjour. Tiens, tes coquillages. Les coquillages dont j'ai besoin pour ma teinture, je te remercie sincèrement. Ce pont fait de toi un véritable mécène des arts. J'espère vous montrer un jour digne de tes dons. Try not to dirty your garments. Merci. Du coup, la pépette, il lui fallait quoi? Ça, si tu m'enlèves. 3 planches, 5 cuir. Ici. On n'est pas ici, on n'est pas ici. Peut-être que vous avez pas oui. Oh, moi je vais au bazar. Alors. C'est quoi le tableau? Ah bah, hop, ça regarde. Ça c'est clair. Les huîtres. Là c'est huître. Ça se mange, ça c'est quoi? Fleur de jacinthe. Ouais. On peut planter plus de vie, mais j'en ai pas. Ça va prendre 5 minutes. Fleur de vermouth. Ça c'est le tissu, on ne touche pas. Mais non, la June en live sur 3-4 jours d'affilée. Mais oui, monsieur Alex, bonjour. Si je l'ai dit, je suis chez ma maman. Je squatte Sako. Donc il restera encore demain de live. Et puis après, ma maman rentre de vacances. Donc no more live. Un record mondial, hello. Du coup, j'ai oublié. Attendez. Voilà. Mange. Et voilà. Voilà. Aimez-vous, allez les uns les autres. Mais ça va, ça va. Franchement, c'est cool. Il fait beau, je peux live, je suis pépou chez ma maman. Franchement, c'est rentable. Du coup, je vais plus rien vendre. Je veux des graines. C'est qu'il y en a des trucs de rien. Nani,
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis Tomb Raider mort de fatigue. Ah, mais il faut aller dormir, monsieur Alex. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Tu bouffes ton SO, tu fais comme tout le monde. Merci pour les SO, mais de rien, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? Un peu de sang. Oui, thanks you, la June, mais de rien. Des patates, tiens, du coton, c'est pas mal. Tomates, du blé. J'ai tout, hein. Du maïs. Du bok choy, du chou n'a pas. Et c'est tout ce que je peux. Oui, insuffisant, j'en ai là, je dis moi aussi c'est nécessaire. Oh bah ça va. Pourquoi je ne sais pas faire du cuir. Prenez-moi l'anglais pour que je travaille dans le prêt-à-porter de luxe. Ça rapporte si peu que ça la famille Glia, monsieur Alex, que tu dois te reconvertir dans des vrais métiers. Ah là là, la famille est tombée bien bas. Du coup, si ça apporte, attention, c'est pour diversifier, c'est ça. Alors, je veux ça. Mais moi, tu vois, je jardine. C'est pour diversifier, c'est ça. Pour s'immiscer dans le monde actuel. Le luxe c'est surfait. Et c'est un Suisse qui te dit ça. Hein. C'est là tu sais à quel point t'es dans la merde. Oui, oui, en plus. En plus, tu vois, donc... où va le monde? Par contre, le compteur, il est cassé, hein. Le compteur, il est là, mais t'as un viewer. Vous êtes trois sur le chat. Il y a un viewer, ok, très bien. Voilà, du coup. Alors. Tu bosses sur une des pièces qui valent plus d'un an de ton propre salaire, tu t'obliges vite de comprendre l'intérêt d'un tel taf. Pétain, effectivement. Petite touche. Encore petite touche. Non, c'est pas là que je voulais mettre. Mais où? C'est le bot qui l'a dit, mais ça suffit!
Oh, je vous dis, vous êtes incroyable. Déjà bien suffisant. Attends. Arrange mes fleurs, je dis ta bêtise, parce que, Alex, parce que je le vois. Je vois que c'est pas nouveau que je sois un tenable. Non, c'est pas nouveau, mais c'est pas grave, on t'aime pas même. Qu'est-ce qu'il dit, ta bêtise? La June, je suis en train de préparer un jeu, je pense que tu connais pas. C'est Pokémon version la June et Pokémon version Junna. Oui, mais c'est les prochains Pokémon, on le sait, enfin... En même temps, avec des noms aussi foirax, oui, il y aurait un... Yeah. Voilà. Je suis en train de marcher sur les plantes que je viens d'arroser. C'est très contre-productif, mais c'est pas grave. Merde, ma rose aurait dû. Comment je le remplis? Du coup j'ai tout mais j'ai pas le cuir et je n'ai aucune idée de comment le fabriquer. Je suppose qu'il faut la recette, mais la question c'est où trouver la recette. Je vais demander à internet, c'est pas grave. Alors. D'abord, niveau 2, fabrication de meubles. Tel est le cas, ok. Ah, je peux faire un métier à tisser. Sinon, je peux en acheter. Oui, bon, voilà. C'est fabrication de meubles. Il faut fabriquer des meubles. Très bien. Quel level j'ai en fabrication de meubles? Niveau 1. Eh ben, fabriquons des meubles. Je peux faire un lit. Il faut du bois, il faut pas mal de trucs. Réserve à bois. Bah vas-y, on va aller tabasser du bois pour se faire des meubles. Parce que du coup, si je monte level 2 en cassage de meubles, en faisage de meubles, je pourrais aller acheter ce qu'il manque. Il est devant toi, l'arbre de vie. Il faut ouvrir les yeux, pardon. Alors, des petits uns que je puisse casser. Quand même de faire pas mal de meubles. Après monter au niveau 1, ça devrait pas être trop compliqué. Quand même, je fasse des meubles.
un petit peu mauvais dans ma race. On va voir déjà ce qu'on peut faire avec ça. Je peux faire un tabouret. Ok. Pas une grande tête. Quelque chose de ton soutien permanent. Oh cool. Écoutez, t'as la chasse aux âmes, c'est génial. Un lingot de fer ici. Un dernier villageois. Ouais. Okay. Mais il y a un lingot, il fallait bloquer des meubles. Là, je peux en mettre une de chaque côté. Oh ça. Que puis-je apprendre à faire? Oh, ah allez, on retourne taper des arbres. Taper de l'autre côté. On va faire un peu plus. Les petits. Ce qui va être cool, c'est que du coup, je vais taper des arbres. De même, et avec ces coups de meubles, on frappera à faire d'autres arbres. D'autres meubles. D'ailleurs, oui, maintenant que Alex me dit, voilà. Demain, ce sera le dernier jour où je serai en stream. Donc, je serai en stream avec les gens. Je ne sais pas encore vers quelle heure, mais ce sera sûrement l'après-midi. Parce que le matin, on a tous les deux des choses à faire. Et on sera en live sur Pokémon Fusion. Un petit peu, et avant ou après, on verra, je sais pas. On sera en live sur Phoenix Wright, le tout premier. J'avais envie de le faire en live, mais pas envie de le faire toute seule, parce que ce genre de jeu, c'est une fiche monumentale. Et comme les gens étaient motivés, j'étais là-bas, allez, vas-y, on le fait tous les deux. Et ce sera le dernier live avant un bon moment, parce que ben... Là, le souci, voilà, c'est soit j'arrive à trouver un appart, soit faut attendre que le maman ne soit pas là, ou alors que le beau-père ne soit pas là. Voir le live. Sachant que voilà, là on a dérivé pas mal de Pokémon. On a fait un peu de Palia, ou Palia c'était cool, franchement. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Franchement. Franchement ça détend parce que Pokémon c'est sympa mais je commence un peu à saturer. Ça c'est peut-être parce que voilà, c'est un Pokémon que j'ai déjà fait, c'est à peu près ce qui va se passer. Donc j'ai envie que ça aille vite. Alors. Le tabouret c'est fait. Oh je peux faire une réserve. Mignon, tu vas nous abandonner, bah pas le choix Lolo. Le souci étant que je n'ai pas la co nécessaire à la maison pour pouvoir. Ah bah oui, mais j'ai dégagé toute ma mousse. J'ai pas la co nécessaire à la maison pour. Pour liver malheureusement. Ce qui m'attriste autant que toi. Hein. Je t'assure.
si je pouvais, je ferais des lives tout le temps, franchement. C'est voilà, c'est comme j'ai expliqué, bah, c'est au petit frère de Légion. Il me fait, mais tu fais, t'as du monde sur tes lives, ça, oui, non, et je m'en fous. Alors, le souci du militaire, on a trouvé d'où ça vient. Enfin, on a trouvé, pas forcément moi, mais si tu veux, un soir, mon proprio est repassé pour totalement autre chose. Hein. Un peu mon problème dévié, parce que j'avais un... Donc il est revenu... Oh, ça fait quoi? Oh, ça fait un bout de temps, parce que c'était quand? C'était pendant les vacances d'avril. Il est venu, donc il est venu me changer pour mon truc là-haut, là, mon machin de flotte. Voilà. Il m'a changé le bout qu'on supposait qu'elle n'allait pas, sauf qu'en fait le bout là va très bien, et ce qu'il a fait, c'est que le jour d'après, ou le soir même, aussi, en fait il est revenu, et il a pris une giga-scie, je ne saurais pas te dire quelle scie, parce que bah, une scie était une scie électrique, ou une scie machin, enfin, tout ça. Et il a taillé dans le trottoir pour ouvrir la plaque qui mène justement à mon comment qui mène à mon bah, au tuyau si tu veux, donc au tuyau qui relie mon appart au réseau de la commune, et du coup bah le reste pour voir d'où venait le problème. Et c'est là qu'on a découvert que le problème donc ne venait pas de mon truc à moi, était donc, en fait si tu veux dans le tuyau de chez moi jusqu'au tuyau qui est à trois points, donc qui n'était pas à nous, il n'y a pas de souci. Sauf que du tuyau, non, en fait, dans le tuyau du trottoir, ah oui, c'est déjà bien. Et puis, je n'ai plus trop de soucis en ce moment, donc au moins, on est tranquille. Sauf que visiblement, le bouchon était plus loin, sauf qu'on ne pouvait pas taper dedans, enfin, aller désosser, entre guillemets, ouvrir notre truc, parce que déjà de base, celle-là, il n'avait pas forcément le droit de l'ouvrir. Et en fait, l'autre plaque est devant donc la porte d'un autre appartement du même bâtiment que moi. C'est-à-dire que là, t'as la porte de la voisine du dessus, donc tu rentres, tu montes. Un peu plus loin, tu as une porte qui mène à un autre appart qui est collé au mien. C'est vraiment mon appart est là. L'appart, il est à côté. Il y a trois apparts en bas, trois apparts au-dessus, si je me rappelle bien le bout. Comment il est fait. Et toi. Et en fait, si tu veux, voilà, au bout d'un moment, t'as eu un petit attroupement parce que mon propriétaire connaît pas mal de monde visiblement bah, dans mon patelin. Et j'ai fini par discuter avec les voisins qui habitent, alors, au-dessus, mais la part du milieu. Ils sont adorables d'ailleurs. Et qui m'ont. Bah, on a fini par parler des soucis que j'avais. Et c'est là qu'ils m'ont dit oui, mais en fait, visiblement, mes soucis viendraient, entre autres. Du fait que l'appart donc, qui est en dessous du leur et donc à droite du mien, celui qui est en bas au milieu, est pourri. Et il n'est pas mon proprio, donc mon proprio, ouais, il peut rien faire. Je ne peux pas faire des clôtures. Voilà. Voilà. Donc c'est visiblement de là qu'on viendrait, entre autres choses, pour le moment, enfin, voilà, c'est la seule piste que j'ai, et ça me, voilà, pour le moment, je lui donne quand même un peu de crédit, parce que il y a un bout de mon mur, en fait, le bout de mur où ça, enfin, où j'ai eu des soucis, pas celui de la chambre, un autre, ben, le mur est directement à côté de l'appart, tu vois, donc, ça pourrait faire du sens. Mais bon. Voilà. Donc, sachant que pour pallier... Enfin, pallier, je me comprends. Voilà. Problématique en effet, moment ton proprio ne peut pas dire que ça vient de toi, normalement tu seras tranquille, super de la part. Voilà, c'est pas là, c'est pas moi. En plus, voilà, j'ai tout fait pour y virer, hein. Franchement.
Voilà. J'ai pas été de mauvaise foi. Chaque fois qu'il y a eu un truc, je l'ai prévenu. Et voilà. Ça a pas l'air d'être non plus. Ça ne va pas. Voilà. On va le foutre ailleurs. On va le foutre dans le coin. Ça n'a pas l'air d'être un gros chieur énormément, franchement. Mais c'est vrai qu'il va falloir. Sachant que moi, de mon côté, il sait que je veux déménager. Il n'y a pas longtemps, il m'avait proposé l'appart en haut du mien, qui est plus grand, qui a deux chambres. Le souci que j'avais, c'est comme je l'ai dit, c'est sous les combles en fait. Donc moi, ça me va pas. C'est pas pratique. Et voilà. Je sais pertinemment que l'appart du haut. C'est pas forcément de son fait, mais comme il est sous les combles, là on va arriver en été, ça va être une fournaise le bordel. Je suis un bébé qui ne supporte pas le chaud. Genre. Vraiment pas du tout. Donc, non. Et du coup, là, ce que j'ai fait bah, cette semaine, j'ai fait ça quand lundi? Mardi, je sais plus, j'ai oublié. J'ai envoyé un mail à pas mal de mairies. Oh, arrivé. Pour voir si elles avaient des trucs. Enfin, voilà, si elles avaient des apparts et tout. Et du coup, ben, on va bien voir ce que ça donne. Ah, c'est les graines de patates. Ben non, ça sert à ça, les deux. Et je vais garder le tissu et le bois, le cuir, le bois et c'est les vitres et le tissu. Et je vais garder jamais les. Donc voilà, c'est on s'en sort doucement, ça va le faire. Sachant que de mon côté, j'ai aussi une réponse. Bah j'avais, je sais pas comment on en avait parlé. J'avais essayé du côté des HLM l'année dernière. En vacances dernières, vacances, oui, en vacances de l'année dernière, en demandant bah, deux endroits différents. Donc là, on m'avait dit c'est mort tout de suite, n'espérez pas. Et l'autre, bon, on m'avait rien dit, mais ça semblait pas bon, bien parti. Sauf qu'après, j'avais discuté, donc j'avais discuté avec une collègue bah, qui ne bosse plus avec moi maintenant, et une autre personne que j'avais connue parce qu'à l'époque, alors à l'époque, moi, mon papa habitait là-bas quand j'étais petite, donc quand j'y allais, bah, j'étais là-bas. Et la dame en question, elle s'occupait du ménage, tu veux. C'est elle qui nettoyait les HLM. Donc les couloirs, machin et tout. Et en gros, voilà quoi. Clairement, c'était plus aussi bien que quand j'étais petite. Hein. C'était vraiment le, t'sais pas, un endroit où non, non, il ne faut pas aller. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ma maison? Donc quand cette dame m'a rappelé, elle m'a dit, non, mais il y en a pas pour vous. Je fais, ah, je vais pas vous mentir, non. Non. Je veux pas mettre les pieds là-dedans. Même si voilà, même si elle m'a dit que ça c'était quand même assez, enfin, c'était quand même amélioré et tout, voilà, je vais être sincère avec vous, je veux pas m'embarquer là-dedans. Voilà, parce que moi, enfin, moi les gens qui m'ont parlé m'ont vendu ça quand voilà, il y a les flics qui débarquent toutes les semaines, la fameuse madame qui fait le ménage, elle s'est fait tabasser, enfin, ils l'ont tabassée, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais voilà, c'était un truc quand même assez grave. J'ai dit, moi je m'embarque pas là-dedans, c'est hors de question. Ce qui est très con, parce que j'avais l'appart quoi, mais non. Non, non. Cherche dans quel coin? C'est pas trop loin de chez moi, je peux jeter un oeil. Loulou, je suis en France. Je pense que ça va être un peu loin de chez toi, sachant que moi je suis à au moins à facile ou 2 heures de la frontière. Nice to see a new face. Ouais, tu débrouilles super bien, menuiserie, j'admire, mais il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. J'ai pas de nouvelles recettes disponibles, si ça m'intéresse. C'est pas mal comme affaire, pas vrai? Travail acharné et récompensé, et j'aurai enfin quelqu'un à te parler. Alors oui, mais il faut que je demande des trucs. Bon, au moins. Merci, bébé. Merci. Donc je peux quand même venir l'agresser au milieu de la nuit. Ah oui, il fallait que j'aille voir, je sais plus. Ça. Mais oui, mais j'y peux rien! Est-ce que je vais garder au moins le truc? Je fais mon inventaire.
te rappelle que je suis de nouveau en France depuis un an et demi. Ah, mais j'avais... Mais tu m'avais pas dit, t'es dans quel coin? Je ne savais plus, moi. Moi, dans ma tête, t'étais toujours en Suisse. Tu es dans quel coin, Lolo? À tous les coups, ça va être encore un coin très loin de moi, mais j'ai l'habitude. Je ne savais pas, pardon. Bébé, désolé. Suppose I can take a break for a bit. Je vais te rencontrer, John. Je suis Delaila, mère d'Oni et Nayo, épouse de Badru. Ah. Et propriétaire de cette ferme, s'il te plaît. Tu as besoin d'une pinte de lait frais ou d'une douzaine d'œufs, tu peux venir me voir. It's nice to have someone who wants to listen. Mais du coup, t'es dans quel coin, Lolo? En train de scier Bourg-en-Bresse. Ah, ça fait quand même un petit bout, la vache. Hein, parce que moi, voilà, moi, pour être très honnête, je suis plus près de Besançon. C'est pas vraiment... Oui, Bourg-en-Bresse. Moi, je suis plus près de Besançon. Ça fait un petit bout quand même. Je te le cache pas. Et c'est vraiment gentil à toi. C'était bien, bien loin. Enfin, t'es sans doute avec... Bah, t'es sans doute une des personnes les plus proches de là où j'habite, mais quand même un petit peu loin. A-t-il eu un effet en votre placement? Ah oui, en effet, c'est un peu plus loin. Une vie. Je dis pas que je l'ai vendu le gardiennes, donc je pense à dire que je vais devoir refaire de la chasse à papillon. Ah putain, je vais garder. Ça passe plus. Arrosant. Faut pas le faire aussi vite. Ça s'est planté au moins. C'est fait. Gardenia a été planté, mais du coup. Un vallon de magie. Voilà. Voilà. Ben, nous allons communier avec le sanctuaire du dragon. Enfin, si le vieux est levé, mais. Bon, que oui, il va être 3h du mat, de toute façon. Mais oui, non, mais c'est bon. Parce qu'en plus, le but du jeu, voilà, c'est que je me rapproche du boulot. Donc, ben. Forcément. Tellement beau, putain, j'adore ce jeu, il est magnifique. Avec une esthétique asiatique, là, moi voilà, moi tu là, je suis. Mais il est là, juste. Ah non, c'est pas le but. Ah, c'est un télescope. Waouh. Voilà, l'effet d'eau est dégueulasse, t'as toujours les effets de fond, mais c'est... Il dégage. C'est très très beau. C'est magnifique. Franchement.
Toi, je veux pas que tu arrives celui-ci, mais c'est que je comprends que dans les passages. Moi, je veux aussi pas un coffre de rangement en bois. Ah non, ça c'est déterminé. J'ai plus de... Juste que j'attends que. Faut juste que j'aille faire de l'argent. 43% pour tes os. On y arrive, on y arrive. Et ça, par contre, je pourrais y jouer avec toi, même à la maison. C'est l'avantage. C'est ma coup merdique, mais pas à ce point-là. Eh ben, je pense qu'on est parti pour se faire une session de meurtre de papillon. Allez. Ce qui va nous falloir de l'argent pour acheter la recette aussi, c'est pour tout. Je pourrais pêcher aussi, mais dans les souvenirs, le système de pêche est tellement atroce. Que non. Non, merci. Ça va être un peu essayé. Bon, je teste, hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais est-ce que tu peux au moins jouer de chez toi-même, même si pas en stream, toujours ça te prie. Oui, oui, voilà, je peux jouer, y a pas de problème. Ma co tient, à peu près. Mais non, depuis la maison, je ne peux pas stream, je vais pas faire combien de choses, malheureusement. Rien de bien de Bichette bébé. Le bot ne te demande pas, le bot te dit qu'il y a l'éventualité, cette éventualité. C'est pas pareil. C'est surtout parce qu'il fallait pas que je fasse ça pour que ce soit d'autre quand je fais la commande. Par ici, parce que putain, ce que c'est vraiment pas. Il est vide. Tiens, acheté une police. Il tend la perche. Parce que pas beaucoup. Thank you.
j'ai les titres encore. Connerie. Je retiens même pas ce que je dis. Mais il est où? Je sais pas de fumée, il y avait bien un truc là. Bon, c'est bon. Bon, allons voir le boss. Je crois que c'est le boss. Je les reconnais plus, putain. Donc j'allais vendre au bazar, mais... Allez gamin, qu'est-ce que tu veux? Aïe! Ne te méprends pas, je suis ravie que la chasse aux insectes te plaise, mais il va te falloir plus d'outils si tu veux te mesurer à moi. D'après le manuel de vente des insectoscouts, qui veut courir dans le même pré qu'un gros ormu se fait pousser des cornes. Je vois ma nouvelle marchandise en stock, je suis sûre que ça sera utile. Amuse-toi bien. Et où est pas le servir des insectos? J'ai pas le temps de dire. Alors, je vais te vendre ça. Je vais te vendre la libellule. Et ça. Oh, gotta run. Mom's calling. Oops. Oui, je peux jouer au jeu. Je peux faire du gacha. Du coup, comment tu l'utilises? Votre porte-bonheur, ouvre la boîte. N'importe. Des bombes fumigènes collantes. Ok, bon, pas dégueu. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? Autant, vache. Du gacha dans un jeu chinois, étonnant. Je suis même pas sûr que ce soit chinois, pas lire. Tu vois. Bon, bah vas-y, on va rester. Il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. La petite de frein. Cette connasse en fait. Ouais. J'ai le même graphisme que ce qui est chinois. Ouais, donc, moi c'est chinois, je l'accepte. Alors, choupette, où es-tu? Là. Nickel, il l'a arrêté. Welcome to the valley. Recette four à verre, métier à tisser, putain. Hé hey, madame. Ben, je vais te prendre ça. Ça. Thank you.
C'est bien, je vais pouvoir faire cuire je ne sais pas quoi parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu du sable. Il me faut des briques. Céramique, comment on fait ça? Je me fais enlever. D'argile, ok. Reset partagez-moi avec un deal de minage de Odari pour avoir le minage 50 pièces. Et 50 pièces. Oui. Ben, retournons les voir. De minage. Ah putain, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à l'autre bout. Oh putain. Oui, oui, ok, c'est bien. Donc, va bien falloir qu'on se fasse un petit voyage dans l'autre bout, parce que du coup, je me suis allé dans l'autre bout. À moins qu'on arrive à le choper entre. C'est pas lui. C'est tout. Il doit regarder, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là. Il faut m'expliquer pourquoi cette carte la route. Ça, c'est le mec bizarre. C'est la tasse couille. Bon, ben allez, on va faire ça. Un voyage gratuit. Et je regarde toujours la carte parce que je ne sais pas où je vais. C'est un peu ça. Ah oui, et ça, c'est le chasseur. Clairement pas ce que je fais. Bon,
j'aime bien ce petit jeu, ça, ça détend. Le truc il a pop de out of nowhere. C'est parce que bonjour, Taras. Allez. J'ai pas pris la peine d'aller voir ce qu'ils vendaient. Putain, il y a pas de... Oula, oula. Comment ça c'est mis? Attends. Il faut que j'aille voir. Alors. Nadjo maman. Ah d'accord, c'est plus. L'autre, elle doit encore il est 10 ans du bac. Ouais. Ok, et l'autre, il est plus loin. Ah oui, le magasin, il est là. Ah. Alors, c'était un autre coup et la recette. Voilà. C'est ouais, rien d'autre à voir. Ah, ouais. Merci. On va faire un choix quand même. Est-ce que je vais au moins, on va pouvoir retourner à la maison tranquille. Et maintenant, on a les... Après, maintenant, le souci, c'est qu'il va falloir... C'est qu'il va falloir trouver les... Comment ça s'appelle? Ah, merde. Bah, les... l'argile. C'est pas pareil, c'est intéressant. C'est où de vos amis? Ah, c'est à ça que c'est pour les chocolats. D'accord, d'accord. Je prends note, je prends note. Allez, on rentre à la maison. C'est parti. Un peu de ma gueule toi, j'étais venu avec toi il y a 5 minutes et tu es là et tu pars vers le village parce que voilà. Oui, il va falloir tout que je m'arrose. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée. J'ai besoin de...
je crois. Il va falloir en trouver. Je crois que ça suit. On va voir si on peut pas acheter un peu de céramique. Au village. Et éventuellement, j'ai l'air chercher hors live. Logiquement. Mon bazar. Non, c'est de la merde. Oui, ils ont du cuir par contre. Et je suis pauvre. Tu vas me dire que c'est l'autre espèce de Tibius que j'ai été voir tout à l'heure qui vient. Oui, il faut tout voir la madame, c'est ça. Mais ça attend. Et là, ce n'est pas assez. Si. Ça aurait bien la peine que je rentre. 7, non, c'est bon. Je cherche. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Majima. Comme ça, on récupère le
Donc, on récupère le planeur, et puis... Enfin, si on l'a tout de suite, j'espère que oui, parce que sinon ça va être... Et ça, on ira essayer de récupérer la grenouille comme cette Tony, je crois qu'il s'appelait, nous avait conseillé tout à l'heure. Ça répond ça à point zappé. Le live a été assez court, mais je vous avoue, je commence à avoir un peu la dalle. Donc, il sera peut-être temps de se faire à manger. Éventuellement, il y aura un live demain matin. Voilà. Peut-être qu'on fera du Pokémon. Ça dépend à quelle heure je me lève. Il dit pause. Je pense que c'est une heure du PC parce que là, les choses s'arrassent. Souvent, sous sa couche. Elle est où? Et évidemment, elle est de l'autre côté. C'est tout, comme ça. Super, laisse-moi juste assembler tout ça. Et voilà, dis-moi si jamais quelque chose se passe mal, s'il tombe soudainement en morceaux ou quelque chose du genre. Mais à ta place, je m'inquiéterai pas trop, j'ai déjà réglé la plupart des problèmes. Manger? Ah oui, c'est une bonne idée ça. Oui, exactement. Je vais construire un fan, d'accord, comment on va faire? Je suis fait avec beaucoup de sauts pour faire du bavard. Ça va, c'est pas très chiant. Il y a tout ce que je veux faire. Allez. Et ben, on va finir sur la tranquille en allant chercher la plus de grenouilles au-dessus de la giga grenouille. Allons maintenant que j'ai le planeur, ça devrait aller. Enfin, s'il faut un planeur simple, sinon ça sera un peu plus chiant. Mais oui, manger c'est une énorme, c'est une excellente idée. Il paraît que c'est bon pour la santé ou pour le vivant, je sais pas, j'ai pas tout compris au principe. Mais bon. Voilà, et mon ami n'aime pas trop Palia, qu'il aime pas trop, c'est que... On va tout baisser, comme ça peut-être qu'il devra un peu plus. J'ai validé. Mais non, non, on va voir la grenouille. Je vais où elle est d'ailleurs. Ouais, tu m'étonnes que ton PC. Mais non, mais j'ai rien choisi, moi, c'est pas moi qui ai décidé. Elle est où cette petite grenouille? Je sais plus où elle est, j'ai oublié. C'est pas à la plage. De toute façon, on va te donner une vidéo.
sais qu'on était arrivé vers un point d'eau. Essayer de trouver le. Oh, oui, parfait. Ça bouffe pas dans du vent, c'est génial. C'est certain. C'est smooth. C'est agréable. C'est très très agréable. J'aurais dû citer un point. On va faire le tour, hein. C'est pas grave, ça vous rallonge le live. Ça vous êtes content. Plus de live. Ce truc qu'on peut faire, c'est qu'elle était vers l'eau. La collision des caribous, mais oui, les caribous, ils sont là en mode de bug total. Au secours, sauvez-nous. Alors là, c'était les égouts, je crois qu'il y avait beaucoup de côté. Ça doit être par là-bas. Rendez-moi la grenouille! Give back! Ah bah là voilà! La grenouille! Barrez-vous les libellules! Donc je suppose qu'il faut monter sur le caillou, planer et ensuite ramper sur la tête de la grenouille. C'est une hypothèse, mais ça me paraît un peu. C'est pas rien cette grenouille, mais regarde, on l'a trouvé, ça y est. Hop là. Ah d'accord. Ah t'es comme ça le jeu. Ouais, gros gros gros, mais je m'adresse pas de seul de cette taille. Ah oui, je crois que non. Voilà, c'est bon. J'ai pas souvenir que tu étais déjà parti quand on a trouvé la grenouille. Non, non, t'étais là, bleu. Moi j'ai assez d'envie, pourquoi j'ai assez d'envie? Yes! Ah oui! Non. Ah ouais. Bah, aucune idée pourquoi les gars se sont dit, eh vas-y, on fait une tour de Gigapolis, on va dire tout ça. Let's go! Dans ce cimetière, mais il en revient. What can I do for you? Faudra renforcer notre vallée. Je ne pas facile de faire la cueillette en respectant la terre sur laquelle on vit. J'ai peut-être une recette qui pourrait te faciliter la tâche. Merci de te visiter, c'est toujours un plaisir. Que des trucs que je ne peux pas faire parce que je suis con. Ça ne veut dire rien, mais comme un gros épisode de diapos qui m'a mis, c'était peut-être en ce moment. Thanks for dropping by. Bon. C'est 5 minutes. Rush, rush, rush.
Eh ben, on va retourner à la maison. Pour terminer cet épisode, ce live. Non, c'est quand même bien live aujourd'hui. Hein. J'ai fait que du palliage, j'ai trouvé du Pokémon, mais vraiment pas envie. Donc, je suis pas forcée, ça sert à rien. Je préfère ne pas me forcer une fois de Pokémon plus tard plutôt que de me forcer de plus avoir envie. Non, mais en vrai, ça. Il est sympa. Je... Non, il est cool. Franchement. Franchement, je l'aime beaucoup. On va juste voir si il m'a bien. Oui. On dit toujours en PLS, mais c'est pas grave. Il va refroidir, ça va aller. Non, non, il est sympa. Et voilà, et il faudra aller voir si je dis des conneries ou pas, mais moi, il me semble qu'il est gratos. Je peux poser la grenouille. Oh, cette tête de débile qui est là, c'est merveilleux. Tu es parfaite comme tu es, bébé. Ne le dis pas. Ça te tue. Bon truc. Du coup, j'en ai rechopé, on va faire les documents. Ça, quand je retrouve avec qui les vents, parce que ça ne me sert à rien, on va être très honnête. J'en ai déjà un de chaque. Ah, mais faut que je les ouvre. Oh, mais attends, j'avais pas compris. Mais... Je suis un peu débile par la photo. Faut m'excuser. Putain, j'ai une perle, trop bien! Oh, coucou les chiens! Tiens, moi j'en ai un! Ah! Mais monte de l'autre côté, bébé! Viens par là! Ah! Viens! T'es où, Concha? Viens! Viens! Rao! Arrête d'être con. 5 minutes, s'il te plaît. J'ai faim, d'ivoire. Il avait faim, j'avais rêvé. J'ai rêvé le jeu. Non, j'ai pas le droit. Je suis fini. Ben. Ah, j'adore ce jeu. Bon, ben on va terminer. Le jeu a décidé que je ne pourrais plus bouger. Donc... Oups. Du coup, je repasse en full screen. Nous allons terminer ce live-là pour aujourd'hui. Oups, tiens. Bien. Cuckbike Controller. Ouais, c'est ça. Mais surtout, la blague, c'est que je peux bouger dans le... C'est dans le menu, mais le même bouton qui est fait justement pour comment pour que je bouge dans le jeu. Le jeu il me regarde, il fait bah non, bah j'ai pas envie. Je suis là en mode bah ok, bah très bien, bah d'accord, bah pourquoi pas.
donc, pas de raid parce que je ne. Mais il y a personne. Il y a personne, il y a personne, il y a personne. Donc, du coup, je vous dis à demain. À demain pour plus de live. Peut-être du Palia le matin, peut-être du Pokémon, je sais pas, je verrai. Ça dépend aussi à quelle heure je m'en vais pour aller chercher les gens. Ça dépend de plein de choses. Mais sur ce, je vous fais des bisous. Je vous remercie. Le jeu, il est là. Non, mais t'as assez joué aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que j'ai fait 4 heures de Palia. Franchement, voilà. Mon ordi aussi, je pense, il n'en peut plus. Parce que même si je l'ai laissé reposer une heure, là, il... Je le sens, hein. Desibou, pas sûr que je sois là, mais bonne soirée. Il n'y a pas de souci, Lolo. Tu passes quand tu peux et quand tu veux. Allez, sur ce, à la prochaine. Tchou tchou.